Et Céline, Juliette, bonjour. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. Je dis on, parce que je ne suis pas seul, il y a Christelle qui est là. Ça fait plus d'un an maintenant que j'ai créé cette chaîne YouTube, et bon, bah j'ai toujours pas pris le temps de me présenter. En vrai, j'ai tenté des trucs. Salut, Céline, Juliette. Céline, Juliette. Alors j'apprends à vlogger, c'est pas simple. Je me sens très... Bon voilà, donc moi c'est Lucas, bonjour. J'ai créé cette chaîne en mars 2021 pour partager ma musique. Et au final, ça donnera l'album que voici, qui vous a beaucoup plu. Merci infiniment. Mais bon, ça vous aura pas échappé que cet album que vous pouvez écouter ici, il est presque exclusivement instrumental. Je dis presque parce que oui. T'es plus ce cœur, rien ne tient plus. C'est pour ça que Christelle est là, entre autres. Alors, on l'aime bien, Christelle. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Bah, salut, c'est Christelle, chanteuse du groupe. J'ai rejoint Céline Juliette il y a un an, plus ou moins. Officiellement. Bah, en vrai, j'étais déjà un peu là, parce que, en fait, les voix que vous entendez dans les home live, ça vient de morceaux qu'on avait déjà composés bien avant. I'm gonna tell you. Sous un autre nom. Sous un autre nom, c'est ça, oui. Donc, à l'époque, c'était profane. Ouais, c'était profane. Bah, on avait fait ça, par exemple. Bah aussi, non, ça aussi. Et puis ça. Avec les confinements machin, on se voyait moins. Et moi, c'est là que j'ai eu l'idée de faire donc la série Home Live, où je pars seul dans la nature. Et c'est là que j'ai trouvé le nom Céline Juliette. C'est un nom que je cherche depuis des années et que j'ai trouvé à peine quelques jours avant le lancement de la chaîne. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la réal, sur nous, sur le matos, bah faites-le nous savoir en commentaire. Profitez-en pour lâcher un pouce bleu, pour vous abonner, pour partager cette chaîne merveilleuse et faire découvrir notre musique à tous vos proches. Merci beaucoup à ceux qui le font. Parce que c'est grâce à vous qu'on est encore là. Voilà, tout est dit, c'est bon, rideau. Juste pour finir avec la présentation, vu que maintenant on est deux, on a dû se poser la question du statut de Céline Juliette, à savoir nom d'artiste ou nom de groupe. Ça n'aurait pas de sens de mettre sur chaque morceau le titre featuring Christelle, quoi. Puisque bah, pour l'un comme pour l'autre, Céline Juliette, c'est notre projet principal. Tous les morceaux qu'on vous prépare, c'est Christelle qui va les chanter aussi. Donc... Oui, Céline Juliette est un groupe. Alors j'en serai toujours membre principal, mais on n'est pas à l'abri d'un recrutement ou d'un départ. Il y a la mouche. Merde. Oui. Attends, je vais essayer de choper cette mouche. Ah. Elle est là. À propos du chant, on a décidé d'écrire exclusivement en français. C'est plus simple pour faire des jeux de mots, pour faire de l'humour, pour des figures de style. C'est quand même bien qu'il y ait une double lecture. Puis bon, le français, c'est une belle langue. Donc, C'est une très belle langue, ouais. C'est la plus bonne du monde. Ouais. Du coup, maintenant, les textes seront en français. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, abonnez-vous. Parce que on a un nouveau morceau et que c'est trop bien ce qu'on fait, tout simplement. Qu'on fait de la musique incroyable. Mais sinon, si t'arrives pas à l'attraper, on va passer une heure non plus à l'attraper. Par rapport au réseau, vu que Lucas il gère toute la partie compo et puis parole et puis même la vidéo, on a décidé qu'on allait gérer ça à deux. Ouais, on va faire ça à deux. On aimerait être un petit peu plus présent sur Instagram, TikTok et Twitter aussi. Le format TikTok, il est vraiment intéressant, je trouve. Il y a moyen de faire des concepts avec. C'est un truc qui appelle à la spontanéité. On pourra du coup vous partager les backstage un petit peu de Céline Juliette, quoi. Par exemple, filmer des répètes. Sortir des petits morceaux qui n'auront pas forcément leur place sur YouTube, tu vois, des petits machins, ou juste des moments de la vie du quotidien, de notre vie d'artiste. Oui, vous pourrez avoir un peu ce qu'on fait, ce qu'on montre pas d'habitude. Voilà, les coulisses. Et, si jamais vous n'êtes pas sur TikTok, c'est pas grave, on vous tiendra au courant sur Facebook ou sur YouTube pour ceux qui n'ont pas TikTok. Les vidéos qui sortiront sur TikTok, elles sortiront aussi en short sur YouTube. Voilà. Donc, en tout cas, si vous remarquez un changement de style dans la communication, vous saurez d'où ça vient.
Bon bah voilà, je pense qu'on vous a tout dit dans les grandes lignes. Au pire, si on oublie un truc, eh bah on fera un TikTok ou un short. Puis bah de toute façon, on vous tiendra au courant régulièrement et puis voilà. Vous aurez des infos sur comment ça avance. Et du coup, ça avance comment ? Bah ça avance pas mal en fait, hein, parce qu'on a de nouveaux morceaux et maintenant il faut le temps de les terminer. Donc bah, c'est parti. Bah allez, let's go, hein. C'est parti. Oui. Bah à bientôt. À bientôt, bisous. Bisous. Ciao, salut. Plus de batterie. Si.